balandinyoso ya les amis de Wechi partout bozali ngai Cyprien Wechi soso pembe naibisa kibino na ba reportage oyo bobanda kolanda ya avocat du diable alias gaz lacrymogène lelo kombo na ngai ya sika soso pembe ke bana Belgique batia kibande konanga ya mokili mobimba anerer na prometa kibino ke na ko confondre bango na boulot lelo awa scoop ya liboso o ya voyage a Didier Renders soki nde kuna bino zala ki awa te bolinga ki boyeba eloko oyo ezoleka na minute oyo il est ici à Kinshasa 10h30 délégation ya Didier Renders ba kosa ki ba journaliste belge ba fâché awa Didier Renders auti koyamba ba représentant ya IDPS ba révélation sur révélation ba ye koyebisa Didier Renders que parmi les 41 députés ya IDPS 38 députés ba ko siéger sauf 3 wana baza ba membre ya famille ya papa Etienne Tshisekedi Sernae alobi na kotika ndeko na ngai te na mwana naye na mosusu bango nyonso bauti koyebisa Didier Renders ke ba ko siéger mais eloko moko ba journaliste ba fâché il était prévu tokoma awa na 8h45 or bayambaki ba représentant ya IDPS Rémi Massamba na Badibanga ne bagene kotala Didier Renders ba pesi biso rendez-vous na 8h45 bayambi bango na 8h yango ba journaliste toye awa Rémi na Badibanga bazali susuté nde colère ya ba journaliste ba lobi pona nini ba bombela ki biso information wana bandeko na bandeko ibisa bino botika Cyprien Wechi asala bulo na ye Cyprien Wechi asana ekola bote soki nga nazala ki awa te bolonga ki boyeba information oyo botika ngai na sala bulo na ngai naibisa kibino na ko confondre bandeko nanga ya Belgique oyo babandeko kosa bino Cyprien Wechi le collabo Cyprien Wechi le collabo na collabote na sa patriote soki lelo nazali awa c'est grâce à mon travail. L'international Cyprien Wechi vous informe image à l'appui ndenge bino moko bozomona Didier Renders ayamba ki pe ba membre ya opposition MLC na représentant ya Vital Kamerhe Bolanda. Et comme vous le savez, nous avons eu des élections l'année dernière qui se sont passées dans des conditions catastrophiques parce qu'aujourd'hui il y a une crise réelle de légitimité des institutions et des animateurs. Donc nous avons échangé avec les ministres sur le point de vue de l'opposition. Grosso modo, nous avons demandé aux ministres par rapport aux failles qu'il y a eu dans le processus. Aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Pour résoudre cette crise de légitimité, il est nécessaire que tout le monde puisse se mettre autour d'une table dans le cadre d'un dialogue républicain pour échanger, évaluer ensemble et trouver des mesures correctives pour que ce qui s'est passé ne puisse plus se reproduire à l'avenir. Est-ce que vous interprétez cette visite comme une légitimation du pouvoir en place ? Non, pas tout à fait. Et c'est vrai que des amis de l'opposition l'ont pensé, mais tel que nous avons échangé avec les ministres, nous avons vu sa préoccupation. C'est vraiment que la Belgique aimerait bien comprendre ce qui se passe au Congo. Et deuxième chose, la Belgique aimerait aider à ce que les animateurs du pouvoir appellent le malaise politique, ce que nous de l'opposition nous appelons crise politique. Comment ensemble nous pouvons résoudre cela ? Je ne crois pas qu'aujourd'hui la Belgique, en tout cas un politicien même du rang de M. Renders, a une capacité de légitimer une institution congolaise.
L'UDPS a rencontré ce matin de manière très discrète le ministre. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? On rencontre, mais on ne veut pas que ça se sache. Non, parce que, comme vous le savez, il y a des problèmes internes au niveau de l'UDPS. Il y a une division entre le chef du parti qui est aujourd'hui, qui s'est dit président de la République malgré les réalités qui sont là, et certains cadres du parti qui considèrent que ce qui s'est passé, maintenant il faut aller de l'avant, il faut continuer la lutte au sein des institutions. Donc je pense que le ministre a rencontré le courant des gens qui pensent que la lutte doit continuer à l'intérieur des institutions, et comme c'est des problèmes qui ne sont pas encore résolus au niveau de leur parti politique, c'est peut-être pour ça qu'ils maintiennent cette discrétion. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Voilà, je vais à mon tour. Si vous me permettez, on peut prendre un autre axe, si vous voulez. Bien, vous tournez légèrement. Non, nous, on continue. Ouais. Ouais. Moi, je suis là. Viens, on peut venir. C'est lui, le représentant des caméras. Oui, INC. INC. Quel a été l'objet de votre visite? Oui, d'abord, nous avons salué bienvenue au ministre. L'objet, c'est qu'il y a crise dans notre pays. Vous savez que dans ce pays, il y a un président qui a été proclamé par la CENI, il a la légalité, et il y a un autre qui a été élu par le peuple, ce monsieur Étienne Tshisekedi. Et cette dualité fait qu'il y a une profonde crise au pays. Et sa venue, ça nous permet de nous mettre, nous pensons que nous pouvons nous mettre autour d'une table pour résorber cette crise. Vous parlez d'une crise, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? Mais la crise, c'est que les élections ont été très mal organisées. Les élections ont été très mal organisées. M. Kabila, nous disons qu'il n'a pas gagné. Mais il a été proclamé par la CENI et investi par la Cour suprême de justice. Et de l'autre côté, il y a Étienne Tshisekedi. Et c'est ça qui fait que jusque maintenant, 5 mois dira, le pays n'a pas encore un gouvernement. Et c'est un problème sérieux. Et je crois lui-même a compris. Alors qu'il a une majorité de 340 députés, il a nommé un informateur conformément à la Constitution à la recherche d'une majorité. Ça veut dire qu'il a compris le message de notre peuple, il faut une coalition. Et nous disons s'il faut qu'on se mette autour d'une table, il faut un accord politique pour qu'on gère le pays, parce que nous considérons que lui n'a pas gagné les élections. Et d'après votre parti politique, quelles sont les propositions que vous avez suggérées à monsieur le ministre? C'est bien de dire la crise, il faut aussi proposer. Oui, nous avons dit qu'on se mette autour d'une table. Et autour d'une table, nous allons faire l'évaluation du processus, parce qu'il y a eu des irrégularités qui ont attaché la crédibilité des institutions. Et puis autour de cette même table, il faut mettre sur pied un gouvernement. Et puis aussi instituer la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, lutter contre la corruption et aussi les violations massives des droits de l'homme, et puis remettre le pays sur les rails. Un gouvernement de transition en quelque sorte. Non, pas de transition, parce que la Constitution parle bien des coalitions nationales. Et un gouvernement de coalition qui sera composé d'une part de l'opposition et d'autre part de la majorité, c'est ce que vous souhaitez. Et nous souhaitons cela parce que nous disons que M. Kabila souffre de crise de légitimité, et si l'opposition doit reconnaître que c'est lui le chef de l'État, donc la primature, parce que nous voulons que les choses changent, le pays est bloqué, et pour que les choses changent, que la primature soit gérée par l'opposition, et nous voyons que cette primature peut être gérée par l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas le schéma de la conférence nationale ou du dialogue intercongolais où il faut un gouvernement inclusif? Non, nous n'allons pas revenir dans les élections, mais nous pensons que nous pouvons aller de l'avant. On ne va plus récompter les voix, mais qu'on se mette autour d'une table pour qu'on définisse les cadres de gestion de notre pays. M. Kengo Wadondo disait hier qu'à son sentiment, il ne fallait pas regarder dans le rétroviseur, il fallait aller de l'avant maintenant. Et il laissait entendre que, d'une certaine manière, la page des élections, malgré les problèmes, est une page tournée. Vous partagez cette opinion? Oui, la page est tournée, mais on ne va pas se jeter dans l'eau. Dans l'eau, il y a trop de crocodiles. M. Kabila a sa majorité de 340 députés. Maintenant, il recherche une majorité. Non, nous voyons déjà que c'est un traquenard. C'est pourquoi nous disons qu'en se mettant autour d'une table, nous allons définir les cadres de bonne gestion de notre pays.
Parce que seul, il ne peut pas. Il sera bloqué. Mais il faut l'opposition. Et l'opposition lui apporte la légitimité, nous disons, pour que les choses prennent. Parce que le plus grand perdant dans tous ces combats, c'est le peuple congolais qui est oublié. Il vit dans sa misère et sa situation ne change pas. Et si les espoirs du peuple sont fondés sur l'opposition, comme c'est fondé sur l'opposition, et l'opposition pour apporter sa touche, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'impunité et les violations massives des droits de l'homme. C'est ça. Vous avez l'impression que le président Kabila est susceptible de vous écouter? Bon, nous disons qu'il peut écouter parce que quand il se réfère à la linéa, alors qu'il a la majorité et qu'il se réfère à la linéa 2 de l'article 78, à la recherche d'une nouvelle majorité, c'est qu'il a compris que seul il ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le président n'accepte pas vos propositions? Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est le pourrissement. Et personne n'a à gagner. C'est pourquoi nous sortons de nos coquilles de l'opposant pour qu'on se mette autour d'une table et qu'on sauve le pays. On n'a pas à s'entêter parce qu'il y a l'environnement international. Le Congo, nous sommes dans l'indice du développement humain, le dernier pays au monde. Du point de vue de la sécurité, nous sommes le troisième pays au monde après l'Afghanistan et la Somalie. C'est le Congo. Et aussi, dans le climat des affaires, nous sommes le dernier. Donc, il n'y a aucun avenir. Et puis, il faut craindre ce qui arrive aujourd'hui. Il y a tout ce qui s'est passé dans les printemps arabes. Ça peut nous atteindre ici avec l'ACMI, ainsi de suite, descendre dans nos pays, et ça peut déstabiliser notre pays et l'Afrique. Est-ce qu'il y a déjà des contacts concrets avec le président ou son entourage? Non. Jusqu'à ma connaissance, il n'y a pas de contact encore. Vous savez comment il travaille. Bon, maintenant, il y a aussi un problème, c'est qu'il n'y a pas un interlocuteur en face. Depuis la mort de paix à son âme, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre des initiatives. Attendons les prochaines heures.